Yo la famille, c'est votre MCVT Rictor, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi je vais super super très bien. Bon, aujourd'hui comme je vous ai dit, on va parler du conseil du 29 décembre encore. Voilà, parce que c'est un conseil historique. Demain, Che Guevara va remplir le palais de la culture au calme. Le 24, ça sera autour du grand DJ Corozen. Et le 29, ça sera nous. Quand je parle de nous, je parle des Chinois et des Légionnaires. Voilà, donc c'est très important de parler de ce qui nous concerne surtout et de donner certains conseils pour la réussite de ce concert-là. Mais ceci étant, il est bien aussi de commencer souvent sa journée avec une bonne dose d'humour. Voilà, il est très bien de commencer avec une bonne dose d'humour. Et puis notre humble serviteur, mon meilleur ami, le disait de vérité, moi je l'appelle désormais le... a quelque chose à vous dire encore ce matin. Ça va pas durer, je crois, une minute, hein? Une minute. Donc, veuillez l'écouter. Merci les amis. Yo la famille, c'est comment? Ça peut aller? Y a foi. C'est encore moi, l'homme qui dit la vérité. Voilà un ami qui protège une petite. Combien d'années? 10 ans. Il est derrière la petite tête. Elle n'est pas prête pour lui. Elle n'est pas prête. Jusqu'à un jour, la petite est partie aux States. Elle est partie aux États-Unis de voyager. Elle a appelé mon mort. Elle a envoyé un message que ah, champion. Il y a longtemps que tu es derrière moi. Il y a longtemps que tu es derrière moi. En tout cas, moi, je sais qu'il t'a fait tourner tout ça. Vraiment. Comme il doit voyager, il met aux États-Unis. C'est pas sûr que tout le monde puisse se voir encore. Donc, il t'a fait une faveur. Il t'a donné un. Juste pour te faire plaisir. Et puis, il m'en va, il voyage. Le gars, il a reçu le message. Qu'on se croise où? Elle vient de lui dire, c'est bien, elle lui demande. Mais on se croise où? Tu viens chez moi, ben, je viens chez toi. Le gars lui répond, il prend son téléphone, il est en train de composer. Que oui, avec plaisir. Que tu viens bien sûr chez moi. Tel qu'il voulait puis aussi envoyer net pour balancer le message à la petite. Il y a un voleur qui passait fier, il a arraché son téléphone. Tu vois le voleur en train de courir le téléphone, le gars est derrière lui. Non, pardon, à son champion. Va bien sûr envoyer son main. Et puis tu t'es le téléphone. Ah, bien sûr envoyer son main. Il n'y a pas de téléphone à envoyer. Ah, bien sûr envoyer son main. Voilà, votre homme serviteur vient de vous entretenir. Hein. J'espère que vous avez aimé sa blague. J'espère que vous avez aimé sa blague. J'aimerais pas qu'un de mes abonnés se retrouve dans cette situation-là, franchement, parce que c'est moi, il risque de me prendre. Clair, clair. Ou tu vas envoyer un message pour gagner ton truc. C'est là le maudit va venir acheter ton téléphone. Franchement. Ok. Donc, dans cette vidéo aussi, on va parler aussi d'un classique. Oui, d'un classique que moi j'attends ce 29 décembre là. Oui. Les amis, franchement, ce concert-là, ça sera un concert qui va rester dans les mémoires, quoi. Ça va rester dans les mémoires, les amis. C'est un truc de ouf. Imaginez. Des Bordeaux et Didier Arafat en train de fredonner l'hommage à ces seigneurs en live. L'hommage à ces seigneurs en live. Stéphane, ces seigneurs en live. Vous voyez un peu ce que ça va faire? Vous voyez un peu l'émotion que ça va dégager? Ces 12 minutes de pure mélodie, 12 minutes de pure animation dans un seul et même son. Voilà, et comme je suis inspiré. Il est framponné ça avant de commencer la vidéo. Voilà, avant de commencer même le sujet même de la vidéo. Parce que j'ai beaucoup à dire dans cette vidéo-là. Ok, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tapez vos mains. Tapez vos mains. Juste pour rigoler, ok. On va être plus sérieux. Champikilo. Stéphane, c'est Seigneur, Marie-Claude, le Dieu qui gagne. Yarafate, Mona, des Bordeaux, l'Ikouvé. Champikilo, Aïssé, écoute ça. Apportez-moi le sang, Champikilo. Il m'arrête là, les amis. Ok, franchement, imaginez ce classique-là, le 29 décembre. Imaginez ce classique-là. Ah, moi, je sais qu'ils vont me mettre à pleurer encore. Et ils vont filmer, puis ils vont mettre ça sur Facebook, ça va faire le buzz encore. Juste pour rigoler, les amis. Franchement, c'est un concert à ne pas rater. C'est un concert à vraiment ne pas rater, quoi. Parce que c'est le summum, c'est-à-dire. Que Guevara va casser
le palais de la culture le 17 là demain, Kérosène le 24 et l'apothéose. L'apothéose, j'ai 3 jours avant 2019. On vient boucler 2018 avec ce concert-là. Ouais, ça sera pas du jeu. Ça serait un truc de malade. Donc, en tout cas, tous ceux qui m'ont confirmé leur présence depuis l'extérieur, en tout cas, débrouillez-vous pour être là parce que ça sera pas du jeu. Si tu as raté ce concert-là, franchement, tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie, je te dis. Fais un effort, trouve une excuse. C'est pour un jour. Il y a beaucoup qui ont enlevé ça, aller-retour, billet d'avion, c'est comme rien. Donc, vous m'avez branché que vous allez venir. Moi, je vous attends. Peut-être qu'on sera ensemble. Vous serez avec Irito. Donc, je compte vraiment sur vous. Mes amis du Bénin, mes amis du Cameroun, mes amis du Togo, du Mali, du Burkina, du Sénégal, mes amis du Cameroun, en tout cas, ceux qui peuvent effectuer le déplacement. Déplacez-vous. Déplacez-vous. On ne vous parle d'une histoire de Didier Arafat et de Bordeaux du Koufa sur une même scène en train de casser la scène. Bref, il m'a arrêté là. Maintenant, voilà ce que je voulais, chose dont on parle aujourd'hui. Apparemment, le stade Félix Houphouët-Boigny est en train de nous échapper. Apparemment, ce n'est pas encore confirmé. Parce qu'il se pourrait que le ministère des Sports aurait refusé la demande de nous octroyer, de nous donner ce stade-là. Ce stade de 40 000 places-là. Non, moi, je ne comprends pas aussi le ministère des Sports et nous va trop en boursa ou bien. Ah, on sait que ce stade-là, c'est pour la CAN 2021. Nous, on est au courant de ça. On ne peut pas venir faire du n'importe quoi. C'est vrai qu'on sera beaucoup. Mais on va venir de manière civilisée. Mais, si il ne veut pas nous donner ce stade-là, ce n'est pas gâté. Il y a beaucoup de coins à aller là. Mais il va au golf club, là. Clair, clair, c'est petit. Arafat et Debodo, il vous dit ça clairement, c'est petit. Actuellement, là, de toute façon, les gens sont sur vous, là. Nouveaux fans. C'est vrai, on fait les concours, mais on va faire démonstration de force. 31 mars dernier, là, c'était rien. C'est qu'on va montrer ce 29 décembre, là, les gens vont pas croire. Moi, je dis, ceux-là, c'est les bénis de Dieu, il faut les laisser courir. Il faut les laisser courir. Prenez-les comme ça. Parce que ce concert-là, ça y est. Pourquoi venir à ce concert-là? Parce que ce concert-là va réunir Ariel Chiné, Safara Le Bien, Didier Moasco, Kedji Vara, Didier Kérosène, qui c'est? Serge Benoît, Baby Philippe, Didier Mix, le Mola. C'est un concert de réconciliation. Laissons les Nkunku là. Lui l'a dit la raison, lui l'a dit la raison, lui l'a dit la raison. On sait, on a compris. Mais laissons ça. Moi, je vous demande pardon. Tapez l'œil. Tapez l'œil. Voilà, on a beaucoup à faire. Il est temps que la musique ivoirienne, précisément le coupé décalé, reprenne sa place de leader de musique en Afrique. Il est important maintenant. On a assez joué, on s'est assez clashé. Pensons maintenant à l'avenir. Donc je viens encore dans cette vidéo-là demander à tous ceux qui sont fâchés, tous ceux qui en veulent à Didier Arafat et de Bordeaux, de faire bas la tête, de taper l'œil. C'est une nouvelle année qui vient, 2019. Changeons nos mentalités. Pardonnons-nous et puis avançons ensemble. Il y a eu beaucoup de blessures, je sais. Mais de la même manière que vous faites des bêtises dans l'ombre, dans le secret, et puis Dieu vous pardonne. Pardonnez aussi à votre prochain. Voilà. Deuxième point, c'est la billetterie. Hé, Debordeaux et Arafat. Faisons un peu comme les Blancs. Normalement, la billetterie devait sortir début novembre. Début novembre, la billetterie sort. Vous avez tout le temps d'écouler vos 50 000 tickets, même vos 40 000 tickets, au calme. Mais c'est début décembre là. Les gens vont se battre pour aller chercher les tickets. Non, tranquille, ça dit le concert le 29 décembre. Quand on dit début, le 1er novembre, la vérité est déjà prête. Avant même de chercher le lieu, parce que quand tu as l'argent, tu peux avoir lieu. Ça, c'est rien même. Vous-même, vous savez ça. Quand tu as l'argent là, lieu là, c'est comme zéro, tu peux avoir. Donc, je ne sais pas à quel moment la billetterie va sortir. La billetterie sort à quel moment? Vous faites sortir la billetterie à quel moment? Nous, on a besoin des tickets là maintenant. Il y a des gens qui vont envoyer les agents. Ils vont envoyer les agents pour payer les tickets, pour réserver les tickets. Faites sortir les trucs, on commence à payer les tickets. C'est à quel moment? Organisez bien ce concert-là. Hein? Organisez bien ce concert. Si c'est l'homme, là, vous allez avoir votre concert, mais organisez ça bien. Voilà.
C'était la vidéo du jour. J'espère que vous a plu. Partagez-la. On est ensemble.